Salut tout le monde. Oh. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine bataille navale. Et justement, c'est notre mission suivante. La bataille de Yorktown. Donc, j'ai passé un petit peu les cinématiques où Connor parlait avec avec Achille. Hop, encore un avion en moi. Désolé, hein, je bouge énormément la caméra, mais là.
Et voilà. Deux frégates avec la réserve de poudre en moins. Ça c'est bon par contre. Je pense qu'on n'a pas fini encore. C'est trop beau. Quoique. Ah, on a réussi à passer. Ouh, excellent. Moi, pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Jusqu'à la prochaine rencontre. Le navire ennemi est par là-bas. En espérant qu'il soit tout seul parce que là. Là, je suis mal. Ils vont venir. Nous devons tenir la baie jusqu'au bout. C'est la folie! Vous êtes seuls et nous n'avons aucun renfort. Bah, pas grave, on va y arriver. On est les meilleurs. Et c'est parti. Ah. Hop là. Oh. Il y a un navire en moins. Hein. C'était un bon combat. Wow. Franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais la victoire est nôtre. Oh oh oh. Bref, on n'est pas dans 300. Ah, quand même. J'ai entendu dire que vous avez coulé ce manoir à vous seul. Ouais. Lafayette n'avait donc pas surestimé vos talents, jeune homme. Comme promis, mes navires sont à vos ordres. Quels sont-ils?
5 navires doivent entrer dans le port de New York, sous pavillon anglais. Mais attendez, je pensais qu'il fallait éliminer des pirates ou transporter des marchandises. Mais vous nous demandez, quoi donc ? De bombarder New York ? Non. Bien sûr que non. Ah ! Une partie seulement. Quoi ? Expliquez-vous. Je dois infiltrer Fort George, mais l'endroit est trop bien gardé. Vos boulets de canon briseront ses murs et chasseront ses gardes. Et un navire sous pavillon français ne pourrait en approcher. Vous avez compris ? Tout à fait. Pas du tout. Mais une promesse est une promesse, même si elle a été offerte à un démon. J'allumerai un feu pour vous indiquer quand attaquer. Vous avez entendu ? Récupérez leur pavillon que nous les hissions. Allez, vite ! Et donc, on va s'amuser, on va taper de l'infiltration dans le BDA. Non, moi ce que j'aimerais c'est un truc d'Achille quoi. Nouveau tableau est disponible au manoir. Ah yeah. Non, il a la classe aussi comme ça, Connor, je trouve, perso. Il est sympa comme ça. District Ouest libéré. Ah. Bonjour Connor, content de te revoir. Tout est bien en place ? Oui, la Fayette t'attend dans le tunnel qui court sous la ville. Parfait. Ah là là, fanfan, la tulipe. Alors, je voudrais voir un peu la carte. Si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Donc, j'avais tout libéré. Ok, la prochaine mission est ici. Il y a encore 2-3 trucs là. Des marchands. C'est quoi ce fort ? Fort libéré, ok. Là, il y a un trésor. Mais pour l'instant, on va devoir se rendre ici. Hop, voyage rapide. J'aime ces petits voyages rapides. C'est bien pratique. Et comme d'hab, tout à l'heure, j'ai pas lancé le chrono. Hop. Niveau du tunnel, là-bas. Le cellier Merseyside. Des fruits secs pour vos gardes-manger. Voilà, le tunnel. Et c'est parti. Deuxième partie de la mission. Et donc, normalement, on va tuer Charles Lee, qui se trouve justement dans le Fort George. Market Sud. Il n'y a pas des petites loupiottes là? Donc, comme tout à l'heure, va falloir que je me dirige dans le souterrain. Alors. Là, il n'y a rien. Moi, je dirais par là. Et ce que j'aimerais, c'est des petits endroits où je pourrais éclairer parce que ça fait un peu sombre l'endroit. Ah, ben voilà. Allumer la torche. Ouhou ! Au moins, ça éclaire un peu plus. Je crois que je suis tombé sur. C'était pas de ce côté. Non. Ça va être par là-bas. Donc hop, demi-tour, vite. J'ai loupé un truc, je pense. Tenter par là.
Mais ben voilà. J'ai fait tout un détour pour rien. Hop. Voilà, c'est parfait. Voilà, il est important de garder ce que j'ai pour vous. Précise. Connor. Non. Ce souterrain vous mènera au district militaire. C'est parfait. Amiral, il attend que vous allumiez le signal. Ensuite, il attaquera. Et nous serons là, nous aussi. Ce qui est bizarre, c'est qu'il lui chuchotait un truc à la Fayette. Ne pas me faire repérer. Une perte de santé à 50% et je dois aller là-bas. Ok, bah, ça va être... Hop là. Je peux l'avoir d'ici. Reviens ici, toi. Hop, le funnel dans le temps est parti. Hop, 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 hop. Hop. Non, non, j'essaie pas de m'enfuir. Bah au moins, je me suis pas fait gros détect. Hop. On nous attaque. Oh. Je dois entrer dans le port. Ah puis ah, il est mal en point là, ça l'a assommé là. Oh là là, et l'effet de fou là. Bien joué là. Je ne suis pas en état de me battre. Je dois rester à l'écart des gardes.
est malade quand même, attends. Plus en état de combattre. Où es-tu, Charles? Parti. Oh, allons, tu ne penses pas sérieusement m'égaler, connard. Malgré ton entraînement, tu n'es qu'un gamin qui a encore tant à apprendre. Où est Lee? Il est parti. En sécurité, il incarne la promesse d'un meilleur avenir. Le troupeau a besoin d'un berger. Lee a été exclu et condamné. Il ne pourra plus jamais revenir. Eh oui. Un simple revers. Il reviendra, crois-moi. Ok. Bon, je crois que vous avez compris. Tu agis comme si tu avais le droit de juger. De décréter que moi et les miens sommes nuisibles. Ah, oh, purée. Tiens, ouvre-toi ça. Pourtant, tout ce que je t'ai révélé, ce que j'ai fait et dit, devrait clairement te démontrer le contraire. Voilà, donc là, je vais m'amuser à faire ça à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là? Oh purée! Encore une explosion là. Rends-toi et je te laisserai la vie. De belles paroles pour quelqu'un qui va mourir. Tu ne te portes pas. Même lorsque les tiens semblent triompher, nous nous relevons. Sais-tu pourquoi? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir le monde tel qu'il est. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais. Excellent. J'aime bien cette fin. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais. Et ils meurent. Au revoir, Ethan. Ne t'attends pas à ce que je te caresse la joue en confessant mes erreurs. Je ne pleurerai pas. Je ne regretterai pas mes choix. Je sais que tu comprendras. Mais je suis fier de toi. En un sens. Tu as des convictions. Tu es fort. Tu es brave. Tu es un homme noble. J'aurais dû te tuer bien plus tôt. Allez, il est à vous. On a dit quoi, il a gagné. On a un problème. Etam n'est plus en possession de l'amulette. Pourtant, le temple envoie toujours des données. L'histoire ne s'arrête peut-être pas là. Eh oui, l'histoire ne s'arrête pas ici. L'histoire est loin d'être terminée, mes amis. Dernier combat de Lee. Bien d'âge.
Enter. Un nouvel email. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre encore? Séquence 11 terminée. Et comme vous le voyez, on est vraiment, vraiment très, très proche. On se rapproche un peu plus de la fin. Donc je pense que 30 épisodes, ça va être pile poil parfait. Ah ouais, vraiment parfait. Et donc, cette amulette, c'est la fameuse clé que l'on recherche. Oh! Mon père est mort. Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Mais je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui, plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. Je dois tuer Charles Lee. Excellent. Peinture de guerre. Pour signifier... pour bien signifier ce qu'il va faire. Et voilà, la 12e séquence. Donc on se rapproche, on est vraiment... voilà. J'ai un action, j'en fous. C'est ça, voilà. Donc comme vous le voyez, il nous reste deux petits trucs à faire. Et encore un petit truc à faire avant d'avoir terminé. Et puis bien sûr, il y a les missions annexes, mais ça je le ferai hors caméra, je pense. Parce que c'est pas forcément très important. Bon, il y a juste deux, trois trucs que j'aimerais faire quand même. Qui se passent au domaine, que je ferai hors caméra. Histoire d'avoir tous les... toutes les missions de domaine, parce que là vous voyez il m'en manque deux, celui d'Achille et celui de du docteur Lyle White, qui me manque juste ça. Après là c'est des inventions de domaine, donc voilà, donc ce sera à voir, je verrai ça un peu plus tard. Donc sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Il y aura l'épisode d'Alundra qui sortira après l'épisode d'Assassin's Creed 3. Niveau vidéo, ça change pas pour l'instant. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao!